à tous, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement le 10 février 2024 et du coup cette semaine, lundi et mardi de cette semaine, mon père et l'apprenti ont tout simplement mis l'azote sur le blé, le colza et le métail. Donc ils ont juste filmé belle accélération. Du coup ils ont juste filmé le colza, etc. Genre quand ils étaient en train d'épandre. Donc là les amis, je vais vous parler un peu plus technique de ce qu'ils ont mis sur le blé, le colza et le métail en termes d'azote. Donc tout simplement, on va commencer par le blé. Le blé a tout simplement eu 50 kg de phosphore par hectare au semis, avec la trémie, vu qu'elle est cloisonnée, on met le blé d'un côté et le phosphore de l'autre. Donc 50 kg par hectare de phosphore au semis. Après au premier azote qui était lundi et mardi de cette semaine, mon père et l'apprenti ils ont tout simplement mis 200 kg hectare de 24-18, 24 d'azote et 18 de soufre. Pour ceux qui ne savent pas, le soufre ça permet de booster un peu la plante. Le colza a exactement eu pareil que le blé, sauf qu'il n'a pas eu les 50 kg de phosphore au semis. Après, le métail a tout simplement eu un triple 15 et 20 soufre, 200 kg de triple 15 et de 20 soufre. Pourquoi un triple 15? Tout simplement parce que dans le métail il y a tout simplement plein de plantes. Il n'y a pas non plus 100 000 plantes, mais il y a comme du trèfle, de la veste, etc. Et par exemple le trèfle lui préfère du phosphore à la potasse, et par exemple la veste préfère on va dire l'azote à la potasse. Voilà pourquoi on met un triple 15. Comme ça tout le monde est égaux. Le 20 de soufre c'est pour booster les plantes ensemble. Bon les amis, en tout cas j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Là c'était juste le moment où je parle avec vous. Là je vais vous mettre les plans que l'apprenti et mon père ont filmé pendant que j'étais pas là, j'étais tout simplement à l'école. Allez, bisous.